Estamos en Brigio Magno, a las afueras de París, grabando una entrevista especial para una belleza nueva. Y voy a partir esta emisión leyendo un poema de Gerard de Nerval, El desdichado. El título es en español. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, Le prince d'Aquitaine a la tour abolie. Ma seule étoile morte et mon luz constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillip et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé et la treille où le pampre à la rose s'allie. Suis-je Amour ou Phoebus, Lusignonne ou Byron Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Aquéran, Mondulant tour à tour. Sur la lyre d'Orphée, les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Gérard de Nerval. Gérard de Nerval a été un poète magnifique du 19e siècle. C'était presque un, le premier voyant, grand voyant de la poésie française, avant Rimbaud même. Il a vécu en lui-même une tragédie, la tragédie d'un sikhisme déchiré. Il a vécu l'abîme qu'il chante ici. Il a essayer de répondre à la question de l'origine de son douleur, de sa maladie intérieure, et il a plongé dans un voyage dans l'aquéron intérieur à travers la poésie et le mythe. Il a essayé d'expliquer ce mystère qui est notre cerveau, notre esprit, le grand mystère peut-être, à travers le mythe et la poésie. Mais il y a aussi la possibilité de chercher une explication, une réponse à ces questions difficiles à travers la philosophie, mais surtout à travers la science. Et pour parler justement de ce que c'était avant un mystère, mais qui est maintenant l'objet d'un travail très très fort et très mag et magnifique de la neurosciences, nous sommes avec Jean-Pierre Changeux. Bonjour. Merci. Monsieur Changeux est ici à une beauté nouvelle, professeur au Collège de France, et puis euh, vous êtes aussi euh, membre de l'Institut Pasteur, membre de l'Académie des Sciences. Vous avez publié l'Homme neuronal. Vous avez publié aussi Matière à penser. Un dialogue avec un mathématicien Alain Connes, un dialogue très intéressant entre la biologie et la mathématique. Vous avez publié aussi ce livre qui est en espagnol, raison y placer, un livre qui se demande des rapports entre le plaisir esthétique et la raison. Et puis l'homme de vérité. Vous êtes donc un homme de vérité. J'essaie de l'être, mais <laughs> je ne suis pas sûr que j'y arrive. Qu'est-ce que vous sentez quand vous écoutez le poème de, de Nerval ben, On a euh, à la fois euh, la perception d'un poème, c'est-à-dire euh, une œuvre d'art, et, et en même temps euh, un peu un cri de, de désespoir euh, d'une personne, euh, disons, dans un état dépressif et qui essaye de s'en sortir par euh, tous les moyens possibles. Donc euh, il y a une, une, un double visage, celui de la poésie et celui de de l'examen psychologique, voire psychiatrique. Donc euh, c'est intéressant d'examiner de, euh, les deux et peut-être même de essayer de le, les faire joindre mm -hmm. euh, par euh, la relation euh, entre l'art et le cerveau. Est-ce que l'on peut joindre une réflexion sur l'art et sur le cerveau Et comment on peut faire ça Oui, euh, je pense que euh, la neuroscience, c'est d'abord... Euh, euh, l'étude du, du cerveau. Euh, cerveau dans son état normal, euh, il existe des, des méthodes variées euh, d'imagerie euh, essentiellement mmh. qui permettent de suivre les états d'activité de notre cerveau mmh. dans diverses circonstances, euh, à la fois euh, lorsqu'il y a stimulation du monde extérieur, par exemple euh, contemplation d'un tableau ou d'un paysage, mmh. et puis aussi stimulation intérieure euh, lorsque euh, le sujet euh, euh, essaye de réfléchir, mmh. euh, s'interroge, euh, se mmh. questionne mmh. euh, lui-même. Et dans les deux cas, on peut avoir euh, des images distinctes qui permettent euh, de progresser donc dans la connaissance des, des états fonctionnels de notre cerveau et des territoires du cerveau qui interviennent euh, de manière différente dans ces états mentaux. Donc il y a la méthode d'imagerie. Euh, on, on utilise par exemple euh, la résonance magnétique euh, mmh. fonctionnelle, mmh. Euh, la caméra positron. Il existe aussi des méthodes euh, d'électroencéphalographie qui sont très classiques, mmh. relativement anciennes, mmh. euh, et qui donnent un aspect plus dynamique euh, par rapport aux cartes qui sont établies par euh, les méthodes précédentes. Euh, donc euh, il y a une animation qui permet de suivre une, une, une euh, cinétique, mmh. par exemple, euh, de la perception visuelle et de l'accès à la conscience. Euh, enfin, il existe euh, des, des méthodes euh, pharmacologiques voilà. euh, qui permettent... Euh, un exemple peut-être. Bah oui, bah, l'effet de la nicotine, uh -huh. hein, l'effet de la cocaïne, l'effet du LSD euh, et de, sous ces agents qui sont susceptibles de changer les, les, les états euh, mentaux et éventuellement d'ailleurs de, euh, de modifier les états de conscience même. Hein. Enfin, le, le cas de, du LSD ou de la mescaline euh, est bien connu pour euh, euh, créer des hallucinations. Et ces mmh. hallucinations euh, euh, sont en mmh. quelque sorte des, des changements d'état de conscience euh, provoqués par euh, euh, la drogue. Ouais, ces, états, être... ces états peuvent euh, intervenir spontanément, peuvent être même euh, plus fréquents mmh. euh, dans certains troubles mentaux. Mmh. Par mmh. exemple, euh, euh, les schizophrènes sont la proie euh, d'hallucinations souvent auditives, très pénibles. Mmh. Euh, donc, euh, il peut y avoir aussi, évidemment, euh, l'imaginaire mm -hmm. hein, qui euh, est un état spontané, plus euh, normal ou naturel. Si L'inspiration poétique, parce, la voyance, si on faisait un scan à Rimbaud. Oui. Euh, <laughs> euh, Écrivons le bateau ivre, par exemple. Oui. Sans rachiche, hein, <laughs> seulement avec la voyance. Et ça serait d'ailleurs très intéressant de, oui. de faire un examen attentif de... Euh, de l'imagerie euh, d'un poète en train d'écrire, mmh. ou même euh, d'un lecteur euh, ou d'un auditeur en train de. Éprouvant euh, un plaisir, par exemple. Euh, euh, oui, hein. oui c'est ça. Euh, voir ce qu'il ressent, les émotions qu'il qu peut avoir lorsqu'il mmh. écoute ce, ce poème, et vraisemblablement euh, euh, partager ces, euh, ces états, je dirais, un peu dépressifs. Hein, euh, euh, mélancolique, mélancolique puisque c'est le terme, le, le terme ah, qui est employé de oui. et euh, de ce fait euh, euh, avoir euh, un certain nombre de territoires dans, dans le système des émotions, le système limbique, qui se trouve euh, engagé. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, notre cerveau possède aussi euh, une propriété très, très intéressante, qui est d'ailleurs euh, oui. presque unique à l'homme. Enfin, on trouve des rudiments de cette disposition chez les primates, non humains, mais c'est ce qu'on appelle euh, la capacité de lire euh, euh, l'esprit, de, de lire, mind reading. Ah. C'est-à-dire essayer de comprendre ah. ce que vous avez dans votre tête quand ah. je vous regarde en ah, face, quand j'examine je, votre regard, quand oui. je vois la manière dont... Votre regard euh, quoi, évolue. C'est quoi On peut décrire quel est le nom pour cette capacité C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit ou la capacité d'attribution, qui est mmh. évidemment très importante. L'enfant euh, o... des petits euh, ça, ça se regard de la mère, par exemple. Alors il ou... y a bon d'abord euh, euh, cette capacité d'attribution. Il faut déjà avoir euh, la maturité suffisante mmh. chez l'enfant pour qu'il mmh. comprenne quels sont mmh. ses états. Donc mmh. euh, c'est quelques années. Euh, et cette capacité peut être perturbée d'ailleurs dans certains troubles mentaux, mmh. euh, comme l'autisme, euh, où ah, il y a une, une très grande difficulté chez euh, ah, oui. le patient ah, euh, à, à comprendre. À empathiser. Euh, hein. euh, oui, alors justement, vient ensuite euh, un autre aspect qui est l'empathie, la euh, où ce n'est pas simplement lire les états mentaux, c'est-à-dire ce que peut penser quelqu'un, savoir ce qu'il sait. Mmh. Euh, par exemple, je sais que vous avez mmh. lu... Mes livres, où je... je fais l'hypothèse que vous les avez lus puisque vous en parlez. J'en je, je, ai plein de stignés, j'ai beaucoup travaillé, monsieur oui, Songeux. Euh, donc je vous attribue des états mentaux de connaissance sur euh, mes livres, mais je peux aussi, par exemple, euh, très tôt avoir, je dirais, un sentiment de sympathie, par exemple, euh, oui. pour le Chili, que j'ai pu ah, visiter oui. euh, en d'autres temps, euh, oui. qui est un pays euh, qui a, euh, très francophile et que les Français aiment aussi beaucoup. Oui. Donc avoir une émotion partagée, vous voyez, donc une empathie. Et alors là, euh, le bébé. Quelle est la différence entre sympathie et empathie, peut-être. Bah, euh, L'empathie est relativement neutre, c'est-à-dire que euh, on peut, par exemple, euh, percevoir les états de souffrance euh, d'une personne mm -hmm. et les comparer aux siens. Hein. Mm -hmm. bon. Euh, la sympathie, c'est euh, lui apporter euh, un secours, mmh. en quelque sorte, faire en sorte que cette souffrance cesse. Mmh. Hein, parce qu'on peut voir quelqu'un souffrir et, mmh. et euh, dans certains cas, je dirais pathologiques, euh, y trouver, euh, mmh. euh, non pas du plaisir, mais enfin, mmh. ne pas, y trouver d'objection. Mmh. ne pas... Cesser de faire souffrir, ce qui est d'une disposition quand même naturelle. Des criminels, peut-être, des pédophiles n'ont oui, pas euh, le sentiment de. Oui, ce qu'on appelle les psychopathes. Le C'est psychopathe. un trouble mental uh -huh. qui peut être euh, soit d'origine génétique, soit euh, entraîné par un environnement euh, mmh. social précoce mmh. euh, qui euh, traumatise en quelque sorte le, le jeune enfant et mmh. qui euh, va se euh, poursuivre par chez l'adulte, euh, des troubles mentaux, entre autres euh, cet aspect-là. C'est le hum, tueur en série, euh, c'est oui. certains euh, pédophiles violents ou des choses Mais... de genre qui, euh, euh, justement, vont manquer de ce que l'on appelle... Euh, l'inhibiteur de violence. Hein. Mmh. C'est-à-dire que spontanément, euh, d'ailleurs ça, ça existe aussi chez l'animal, oui. euh, lorsque... Euh, Conrad Lorenz l'avait montré chez le chien, lorsqu'un mmh. euh, chien fait euh, souffrir un autre chien, euh, mmh. euh, le, le chien qui souffre euh, peut mmh. montrer des signes mmh. particuliers, mmh. comme baisser mmh. la tête, etc. Euh, qui font cesser l'agression par euh, l'autre chien. Donc il y a, il y a des mécanismes de… d'empathie. Oui, alors là, c'est plutôt de la sympathie. De la sympathie. Ouais C'est-à-dire ouais. qu'il y a à la fois empathie, on reconnaît ouais. la souffrance, et en même temps, on oh. la fait cesser, c'est la sympathie. Vous même parler d'une évolution de sentiment d'empathie au genre humain. C'est-à-dire. Euh, y a eu... On peut bah, je pense de... que et... cet aspect de, de sympathie, si vous voulez, euh, est très précoce, parce que euh, ça existe chez l'enfant et sa mère, mmh. par exemple. Mmh. Où mmh. Il y a une sympathie oui. réciproque. Oui, oui. Euh, et donc, euh, euh, c'est une, euh, une disposition qui me paraît plus précoce que... Euh, la théorie de l'esprit ou la, la théorie de l'attribution euh, des états mentaux. Si vous euh, on, normalement on dit que ce que prêche, euh, prêchait Jésus, euh, aimez-vous les uns et les autres, oui. cet amour chrétien original. Ah, non, 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 mais il n'est pas chrétien original spécialement. Non, hein. on, être, euh, ouais. on le trouve dans diverses civilisations. Ouais, le sentiment de l'amour à l'autre, Oui. Euh, bon, c'est bon, pas et... historique, c'est biologique. Bah, C'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui ont été renforcées euh, par certaines traditions philosophiques, ou euh, religieuses. on le trouve d'ailleurs dans, euh, dans, dans donc c'est naturel, dans le con confucianisme. Oui, je pense qu'il existe euh, des, des dispositions morales spontanées euh, mmh. euh, chez tous les êtres humains. Je dirais que c'est presque euh, caractéristique de, de l'espèce humaine et de la vie en société. Mmh. Euh, je pense que c'est indispensable pour qu'il y ait une euh, mmh. mise en harmonie. Euh, en, en, entre les individus dans le sein du groupe social et qu'aussi, ils coopèrent. Hein. C'est-à-dire que oui. et cet aspect de coopération au sein du groupe social est évidemment très important pour euh, la survie du groupe. – J'ai lu un livre de Francisco Varela, vous connaissez Bien le biologue oui. chilien ?– Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, j'ai beaucoup, beaucoup d'amitié. Il a disparu d'ailleurs trop oui. précocement. – je lui ai fait deux, deux interviews. Quel souvenir vous gardez de, de Varela ?– Ah, moi j'ai un excellent souvenir euh, sur le plan de de ses idées sur euh, la conscience, par exemple, que je partage très largement. Et puis euh, aussi, bon, cette vision très, très humaniste des relations ouais. entre individus. Bon, je ne, ne partage pas tout à fait son, son vision pour l'autisme qui m'étonne, je non, sais. Bon, <laughs> euh, mais mais, mais <laughs> après tout, chacun a ses... Vous êtes ses plus opinions. matérialiste, plus sceptique peut-être plutôt, plutôt hein. Oui, je dirais, j'essaye d'éviter de, de m'engager dans, euh, dans des, des structures ou dans des dispositions qui me contraindraient. Si, dans oui. des croyances peut-être euh, Oui, enfin qui me laisseraient. Pas ma liberté de penser, ma liberté de critique et, et ma, ma liberté de choix. C'est-à-dire que je, je n'aime pas avoir des choix imposés. Je préfère euh, mmh. les choisir li librement, en connaissance de cause, mmh. sachant que c'est parfois très difficile, mmh. dans certaines situations, entre autres euh, pour des questions d'éthique, mmh. euh, de faire des choix sans se référer à certains euh, corpus doctrinaires. C'est là ce que je voulais vous demander. Varela a écrit Éthica euh, y Action. J'ai vu dans ce livre euh, l'intérêt de peut-être fonder une éthique euh, sur la biologie ou sur la neuroscience. Oui, C'est possible ça Bien entendu, j'ai développé d'ailleurs ce, euh, cette idée dans un livre avec euh, Ricoeur que vous n'avez pas mentionné. Oui, euh, on va parler de ce livre, hein, de oui, toute façon. Cette euh, rencontre. Avait, euh, <laughs> euh, qui est une rencontre intéressante, qui justement euh, était celle. Euh, d'un éminent philosophe moraliste, je mmh. pense que le plus important que mmh. euh, nous ayons eu au cours des récentes années, et euh, moi, qui à la fois était neurobiologiste et président du comité mmh. d'éthique. Donc, euh, évidemment, mmh. après euh, cinq ou six ans d'exercice de, mmh. de, de ce métier difficile, enfin, ce pas un métier, c'était juste euh, mmh. une fonction euh, à, à temps partiel mmh. que, mmh. que j'exerçais en même temps que mon travail scientifique, donc… Euh, euh, je me suis posé la question de, euh, des bases euh, qui font que je prenais telle ou telle euh, décision ou sur quelle base le choix hmm. était fait, si concernait le, les questions d'éthique. Donc hmm. euh, j'étais à, amené à réfléchir en neurobiologiste et en rationaliste que vous prouvez, en sur, cinq... sur l'éthique Hein euh, et ses fondements naturels. Euh, euh, Quels seraient les fondements naturels de l'éthique bah Justement, nous venons d'en dire quelques mots. C'est-à-dire que, il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en considération. Euh, il y a d'abord un certain nombre de dispositions comme. Euh, notre capacité d'avoir un espace conscient, mmh. hein, la, la conscience, la conscience de soi, la conscience des autres, mmh. Mmh. Euh, ces dispositions de sympathie et, et, et d'empathie qu'on vient de, de mentionner, mmh. mais aussi, et surtout, c'est très important, la capacité que notre cerveau a d'incorporer mmh. l'histoire culturelle. Je pense que mmh. j'ai eu euh, un débat euh, oui. autrefois avec Jean-Pierre Vernand, lorsque. Mmh. Il était encore parmi nous. Mmh. Et après un séminaire que j'avais fait sur euh, le cerveau, euh, il était dans l'auditoire. Il dit ah, bravo, je trouve ça très intéressant, c'est magnifique. Mmh. Mais euh, il y a une omission très grave dans tout ce que mmh. vous voulez dire. Je ne vois pas où est l'histoire. <laughs> dans tout ce que vous me dites. Alors euh, je lui ai répliqué bien, bien sûr, l'histoire, d'abord, c'est le cerveau qui l'a fait. Mmh. Et puis ensuite, euh, elle est elle-même incorporée. J'aime bien. Mais comment elle est incorporée Elle est incorporée par l'apprentissage, en particulier dans toutes les périodes qui suivent la naissance, même déjà un peu avant la naissance, puisque le nouveau-né est capable de distinguer la voix de sa mère dès le premier jour, en quelque sorte, d'une voix étrangère. Donc, il y a déjà un apprentissage in utero très modeste, mais c'est surtout après la naissance que euh, se situe une période d'apprentissage fondamentale qui dure d'ailleurs 15 ans. Mmh. Hein. Et cette période, ça correspond euh, à la mise en place euh, de près de 50% des connexions euh, entre nos cellules nerveuses, entre nos neurones. C'est synapses. Il euh, y a, un doublement, là, y a un doublement du, du nombre de synapses après la naissance. Alors comme ouais. vous savez que nous avons des millions de milliards... Ouais. Euh, des de synapses oui. de, de, dans notre oui. cerveau euh, pendant cette mise en place progressive oui. de ces synapses l'état d'activité du réseau oui. va élaguer oui. certaines connexions en stabiliser d'autres c'est ce que avec antoine dangean nous avons appelé la stabilisation sélective des synapses et c'est une manière oui. euh, pour l'environnement d'entrer de, oui. dans le cerveau et d'y laisser des traces et d'introduire ce que j'ai appelé euh, des circuits culturels. Voilà, circuits euh, culturels euh, neuronaux. Oui, bien sûr, des circuits culturels. <laughs> ça, sonne, où, <laughs> euh, ça sonne un peu bizarre. des circuits, <laughs> circuits neuronaux oui. euh, ou neuroculturels. Neuroculturels, si ouais. oui. Le, le, le type même, c'est ce, les circuits de l'écriture. Alors, tout est neuronal La réalité complète bah, Je ne sais pas ce que vous voulez dire par tout est neuronal. Non, il y, y a le monde qui nous entoure. Ah, oui mais euh, le monde euh, en dehors euh, de nous-mêmes, ça n'existe pas. Euh, ben, si ce monde existe, bien euh, oui, entendu. Mais, mais à travers notre, nos, mais nos... à travers notre cerveau et l'expérience que nous euh, en oui. avons. Donc, euh, pour terminer sur ce, cet aspect de, de l'acquisition euh, du, du langage, mmh. de l'écriture, euh, des règles de conduite, de euh, l'histoire à la fois de la société à laquelle on appartient et, et l'histoire de la pensée, l'histoire de la littérature, de l'art, etc. Euh, cette internalisation est évidemment extrêmement importante euh, dans nos jugements. Hein, C'est-à-dire qu'ils se mettent en place, j'appelle ça des circuits culturels, mais enfin on pourrait appeler ça autrement, des mémoires à long terme. Hein, et ces mémoires à long terme, elles vont avoir accès à l'espace conscient et lorsque nous délibérons, mm -hmm. hein, c'est-à-dire lorsque euh, nous manipulons intentionnellement euh, euh, les représentations que mm -hmm. nous formons dans notre espace conscient, eh bien ces mémoires à long terme vont évidemment jouer un rôle très important. Un exemple bah, euh, Un exemple Soit clair, euh, c'est-à-dire net. Euh, ce que vous dites euh, Oui. D'abord, je, tr je trouve que euh, L'exemple le plus intéressant, c'est l'utilisation le, du langage écrit. Mmh. Hein, C'est-à-dire qu'un euh, sujet qui euh, n'a pas accès à l'écriture, c'est un exemple majeur, mmh. euh, ne pourra pas euh, faire référence à des ouvrages mmh. euh, euh, écrits, euh, euh, progresser dans la, dans la lecture de ses textes. Et même la réussir. pensée de manière différente peut-être. Il va là la, la pensée, non il, on montre qu'il euh, a une mémoire différente. Ah, une mémoire différente euh, Oui, ce qu'on appelle des non-mots, ah. c'est-à-dire des, des mots qui n'ont pas de sens. Ah ah. Et euh, il va avoir plus de difficultés qu'un sujet qui ah. sait lire à les mémoriser. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de propriétés hum. euh, du cerveau qui sont liées à l'acquisition de l'écriture et hum. qui euh, vont modifier euh, certaines capacités. Le sujet. C'est un exemple, je dirais, un peu grossier, mais qui est, est évident. Maintenant, euh, en ce qui concerne un jugement moral, mmh. par exemple, prenons le cas des, des cellules souches mmh. euh, il est évident que euh, je vais prendre en considération ces nouveaux progrès de la connaissance scientifique, mmh. hein, et ces capacités que ces cellules ont, par exemple, à se développer, se Diviser et à se différencier. Mmh. Alors, tout de suite, je vais avoir en tête des applications possibles parce que je sais qu'il y a des maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer où certaines cellules nerveuses manquent. Je sais que dans le cas de la maladie de Parkinson, ce sont les neurones dopaminergiques qui contrôlent, le, 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 entre autres, le mouvement qui vont manquer. Donc, aussi, je vais me dire, ces eh ben cellules vont être utiles mm. euh, à. Euh, euh, là, là, éventuellement, je dis à titre d'hypothèse, il faut faire des recherches pour pouvoir euh, restaurer une fonction euh, comme mm. euh, celles qui sont altérées par la maladie de Parkinson ou bien même de, de, des états mentaux, euh, mm. bien tristement altérés par la maladie mm. d'Alzheimer. Donc, euh, le scientifique aura en tête tout de suite ses possibilités d'application médicale. Le théologien, lui, euh, mmh. bon, on va se référer mmh. euh, à, à d'autres concepts mmh. euh, qu'il aura acquis au cours de sa formation et de son éducation. D'où, si vous voulez, euh, euh, d'abord euh, la prise en compte de cet acquis euh, mmh. culturel dans nos jugements, mais aussi, euh, évidemment, des différences de jugements qui peuvent éventuellement. Euh, Exister. Je cite ces, ces deux exemples, ils sont caricaturaux. Alors, comment s'en sortir Alors, hein la, la question, si, 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 si Comment s'en sortir ouais. comment s'en sortir eh bien, justement, moi j'ai eu cette expérience parce que dans un comité d'éthique, on a en face de soi oui. des, des théologiens, oui. euh, on a aussi euh, des, des représentants de d'autres euh, du, ah, du parti communiste, euh, des ah oui. à, à, au comité d'éthique oui il y avait ah. à l'époque quand j'étais il y avait ah, yeah. un philosophe euh, qui euh, <laughs> faisait ça. partie des familles des pensées. Et à l'époque, le, le marxisme, bon, ça peut être des mouvements humanistes, ouais. euh, maçonniques ou autres, ouais. ça peut être euh, des. Les islamites euh, euh, Oui, oui, oui. juifs. Oui, oui, bien sûr, il y les, les différentes familles des pensées ouais. étaient présentes. Bon, bon il n'y avait pas que ça, heureusement. Hein, il y avait... <rire> <rire> heureusement, oui. ce mot est très il y avait, important pour... il, y avait, <laughs> il y avait aussi ouais. des médecins oui. des juristes. Et il euh, y avait donc euh, un débat possible, mais je dis il n'y avait pas que ça. Mais euh, heureusement, mais je dis aussi que heureusement ils étaient là. Hein? C'est-à-dire que c'est très important d'avoir euh, des points de vue, une, une représentativité ouais. euh, des diverses familles de pensées qui existent dans notre société, parce ouais. que. Quand on délibère sur l'éthique, on essaye mmh. de faire pour le mieux, mmh. hein, mais euh, il faut aussi que ça soit acceptable mmh. hein, par les populations qui, mmh. qui, qui mmh. nous entourent et pour mmh. qui ces, euh, ces dispositions euh, mmh. morales vont, vont être euh, mises en place. Donc c'est ce que euh, Paul Ricoeur appelait l'acceptabilité. Mmh. Mais ce que je vais vous dire, qui est très important, mmh. c'est que cette mise en place. Euh, de, de normes éthiques euh, auxquelles on doit arriver. On va faire une recommandation. Bon, nous ne sommes pas le pape, on n'est mmh. pas le président de la République, mmh. c'est-à-dire que le comité d'éthique ne va pas imposer mmh. une règle. Mmh. Il va faire une recommandation. Mais pour arriver à une recommandation dans un, un univers aussi multiculturel, évidemment, euh, on peut se demander si on y arrivera jamais un jour. Eh mmh. bien, je pense que oui. Ah oui? Et c'est ça, euh, ce que j'ai retiré de plus intéressant de, de mon ouais. expérience de. De, de président du comité oui. éthique, peut-être aussi parce que moi-même n'avais pas d'idée préconçue. Oui. Si vous j'ai toujours été un esprit extrêmement libre, très ouvert, oui. et j'ai pu, à un certain moment, écouter euh, un représentant de la religion catholique, oui. un autre oui. euh, du marxisme, un oui. autre, euh, oui. moment, un médecin ou un juriste. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce comité, un dialogue va s'établir. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est que, au fond, chacun un peu oublie son appartenance culturelle. Oui. Hein, mmh. oublie sa propre expérience et fasse ressurgir ces dispositions qu'il a dans son cerveau, mmh. <laughs> euh, alors, qui alors, sont alors, celles oui. que chaque homme a, uh -huh. hein, quelle que soit son, son imprégnation culturelle. Alors. Et essayer euh, de, de ce fait, par le dialogue, mmh. par euh, les échanges de rationalité, mmh. euh, les possibilités d'application, essayer d'arriver je dirais, peut-être une nouvelle dimension éthique que aucune des familles de pensées présentes n'avait globalement. Donc voilà, oui. je dirais, une troisième voie pour oui. opposer, par exemple, un religieux à un non-religieux. Vous parlez de stabilisation des croyances. Oui. Bah, Qu'est-ce que c'est la stabilisation des croyances du point de vue neurobiologique Je veux bah, dire que neurobiologique, ça veut dire que euh, ces croyances vont être euh, stabilisées dans notre cerveau comme... Euh, un langage, d'ailleurs Ricoeur lui-même a souvent comparé mmh. euh, les systèmes symboliques euh, à, euh, à des langages. Hein on apprend le chinois, on apprend le, euh, le, le tibétain mmh. ou euh, l'italien. Eh bien, l'enfant, euh, dans mmh. ses périodes de, de développement précoce, va euh, être en contact avec le système de croyance de ses parents, de son environnement, de son école. Et euh, cet environnement va euh, donc entrer dans, dans, mais, mais, dans, dans son organisation Mais ça, se voit, du quantique. point de vue neurobiologique ?– euh, Et ça va de... se manifester par des traces qui seront… – Il y, y a des dirais, traces, donc, des croyances euh, dans le cerveau bah, ?– Bien entendu qu'il va y en avoir, pourquoi pas ?– pourquoi vous, vous non, je, je, que... je demande, c'est seulement… Bah, – Bien euh... entendu, et je dirais que sont ces traces… – Des traces euh... visibles, où, où bah, on les voit euh... ?– Je pense que euh, c est, c est un tra... ce sont des travaux qui sont en cours, je ne ah, vais pas être euh, trop affirmatif. Pour dire telle croyance c'est si, mmh. telle croyance mmh. c'est ça, mais euh, je raisonne aussi par analogie avec euh, encore une fois l'Écriture mmh. ou l'apprentissage du, du langage mmh. oral qui est ouais. encore plus fondamental. Et dans ce cas, si vous regardez les traces qui sont mobilisées par, euh, par exemple, un enfant bilingue précoce mmh. et un enfant bilingue tardif, ah, vous vrai. allez trouver des différences. Hein, c'est que le bilingue précoce les traces vont être très superposées. Un hein. bilingue tardif, il va être... Euh, les traces entre le premier langage et le second vont être beaucoup plus différentes, mmh. beaucoup plus distinctes. Donc, euh, euh, vous voyez que vous avez des exemples où... Euh, qui se peut, des, qui où, peuvent où, se voir empiriquement, non Bien ça, entendu. Ah ah ouais. ben ça, ça se voit vous, ça, par, des, ça par les méthodes d'imagerie. Donc, imagerie. Euh, je... Je n'ai pas à vous dire aujourd'hui. à la fin ou non, monsieur Changeux Toute la réalité est à la fin réduisible, on peut la réduire à la réalité physique. Je n'aime pas le mot réduire. Ah bon, je sais, c'est un réductionnisme, on va dire. Ce, hein. ce mot réductionniste ne, mmh. euh, ne me convient pas parce que je dirais que euh, je suis à la fois très réductionniste oui. et je suis aussi euh, anti-réductionniste et, et reconstitué alors en quelque sorte c'est -à, que, bah oui, à dire que effectivement notre cerveau il, il est composé de, de, de molécules oui. et il n'est composé que de molécules hein, je, je dirais que c'est une machine euh, physico-chimique mm -hmm. euh, même nos états de conscience mm -hmm. euh, sous, sont sous le contrôle de mécanismes euh, moléculaires euh, à titre d'exemple l'anesthésie générale mm -hmm. hein, le, euh, lorsque vous allez euh, vous faire opérer, et qu'on va vous faire une incision ou mmh. même euh, vous soumettre à des examens douloureux, mmh. eh bien, on vous fait subir une incision. Qu'est-ce que c'est qu'une incision générale C'est une perte de conscience. Mmh. Mmh. Donc, on peut contrôler oui. chimiquement… Oui. vos états de conscience. C'est vrai aussi pour le sommeil. Qu'est-ce que se passe là quand on, on, on donc, donc ça donc, ouais. donc, si vous voyez, même à ce niveau-là, euh, vous avez des mécanismes euh, physico-chimiques. Ouais. Je pense que toutes nos activités seraient pas, puisque vous les voyez par la caméra à ouais. euh, position ou avec la euh, résonance magnétique, ça veut dire qu'il y a des états physiques, hein, physico-chimiques, qui sont différents. Seulement, il ne faudrait surtout pas avoir l'idée que euh, notre euh, cerveau est un tas de sable. Ouais. Hein, c'est ce que j'appellerais oui, un, un matérialisme naïf. Est-ce qu'on est qu pourrait... Quelle est l'image mieux pour le cerveau C'est une machine C'est une cathédrale la, Je quoi? finis là-dessus, oui. parce que c'est oui. quand même très important. Oui. C'est effectivement une machine, mais c'est une machine... Euh, Vivante. Oui, et il y a plusieurs niveaux d'organisation oui. emboîtés les uns dans les autres. Hein, C'est-à-dire qu'une euh, cellule nerveuse, elle est composée de molécules, ah. comme une bactérie, personne... Ne va faire euh, revivre ces idées animistes euh, ou vitalistes mmh. euh, comme euh, on le croyait mmh. encore euh, mmh. il y a 50 ans. Hein. Mmh. C'est terminé. On sait qu'une mmh. une, 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 une cellule bactérienne n'est composée que de molécules et qu'on mmh. explique tous ces phénomènes physiologiques dans des phénomènes mmh. euh, physico-chimiques et moléculaires. Même chose pour une cellule nerveuse. Mmh. Pourquoi aller mmh. chercher midi à 14 heures mmh. Et euh, <laughs> quand vous avez des réseaux de cellules nerveuses, bon, ces réseaux de cellules nerveuses sont. Composés de mmh. cellules nerveuses qui elles-mêmes sont composées de molécules, etc. Seulement, ce qu'il faut bien prendre en, en considération, c'est l'extraordinaire complexité de la machine. Mmh. Hein. Euh, avec ces millions de milliards de connexions et, des, et les combinaisons que vous pouvez faire euh, avec elles, vous, vous pouvez, d'après euh, Jerry Edelman, avoir un, un nombre de combinaisons mmh. qui dépasse le nombre de, de particules chargées positivement dans l'univers. Dans l'univers. Waouh! Hein. Ouais. Wow. Bon, et alors, on peut déjà faire cette hypothèse en, en supposant que. Les euh, changements d'efficacité, ces changements mmh. synaptiques sont 0 ou 1, mmh. mais en fait ce n'est pas le cas. On mmh. sait qu'ils peuvent être gradués. Donc ce potentiel combinatoire est absolument gigantesque. Et je dirais que le, le cerveau de l'homme est, est, est peut-être l'objet le plus complexe euh, que l'on connaisse actuellement euh, dans notre univers. Est-ce que l'on arrivera un jour à expliquer, à comprendre toutes les émotions, le plaisir esthétique L'éthique, le beau, le bien, la vérité comprendre sera tout. Oui, comprendre, comprendre tout. Ce, ce Qu'est-ce Qu que ça veut dire cest dire que le... nous sommes des scientifiques oui. et notre but, c'est de progresser dans la connaissance. Mm -hmm. bon. cest dire que moi, je n'ai pas une vision, je dirais, totalitaire. Je n'essaie ah. pas d'expliquer expli l'homme, l'univers, oui. comme les théologies essayent de les expliquer. Oui. Je suis un scientifique et nous sommes mm -hmm. la communauté scientifique des scientifiques qui oui. essayons de progresser dans la connaissance. Et nous savons que. Est, le cerveau est un objet d'une redoutable complexité, d'une redoutable difficulté. Je sais que nous sommes conscients que nous sommes à des balbutiements. On commence mmh. à comprendre, on commence à, à, à étudier ces divers niveaux. Et on essaye de faire un lien entre le niveau moléculaire et le niveau cognitif. Mmh. Hein, J'ai parlé par exemple de, de la dyslexie ou de l'autisme. On commence à comprendre. Euh, mmh. euh, qu'il y a des déterminants génétiques pour l'autisme. Mmh. Mmh. Euh, on comprend aussi qu'ils euh, interviennent dans la formation des synapses, mmh. des contacts synaptiques, c'est mmh. leur stabilisation. Vous voyez, mmh. mmh. c'est en relation avec... Bon, maintenant, une fois qu'on a... Euh, on sait ça, on, on, on ne sait pas tout mmh. parce qu'il y a encore le lien à établir avec euh, la capacité d'attribution dont on parlait tout à l'heure et mmh. qui se trouve altérée chez les enfants autistes et de la relation sociale. Et même... euh, ce n'est pas qu'il y a euh, un problème euh, mmh. philosophique ou un problème théologique mmh. ou autre. C'est simplement que euh, sur le plan de la recherche, nous, nous sommes… Confrontés à, à des problèmes. Que, quelles des, des sont les questions les plus difficiles à résoudre Une ou deux questions de, de, les plus difficiles de la neuroscience de maintenant à résoudre bah, Déjà, on est sur la, la question de. La, euh, prenons la conscience de soi, par mmh. exemple. Hein. Mmh. Oui. Euh, voilà. Alors, on a quelques idées. Euh, avec euh, mon collègue et ami Stanislas Dehaene, mmh. nous avons. Fait une théorie, il y en a d'autres, Francisco Varela oui. avait aussi oui. abordé oui. cette question oui. de, de, de réseaux qui euh, seraient des réseaux de neurones à très longue distance qui permettent d'interconnecter euh, les divers territoires de notre cerveau et qui pourraient éventuellement intervenir dans cet euh, espace de travail conscient. Bon, donc voilà, mais maintenant la relation avec le soi et comment le système euh, mmh. se réfléchit sur lui-même. Là encore, si vous voulez, c'est pas, pas des mystères inaccessibles. Mmh. C'est des problèmes mmh. difficiles à résoudre. Je, je, comprends. je, je comprends. voudrais que, que ça soit bien clair, oui, oui, <laughs> que clarifier, et clarifier, clarifier <laughs> s'il vous plaît. Et, 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 et que, euh, Il y a oh, beaucoup de préjugés, oh, ah, oh, anti-scientifique et tout ça. Oui, je je non, moi. pas du tout. Je, je crois que euh, on peut être, je dirais, un, un matérialiste éclairé, oui. conscient de ses limites, oui. et, et euh, savoir que nous connaissons peu et que notre vocation, c'est de comprendre mieux et d'avancer dans ce, ce projet. Et aussi, je pense que ça, c'est un aspect très intéressant, euh, de, de, de la responsabilité que nous avons dans notre activité professionnelle. Notre activité professionnelle, c'est de, de produire des connaissances. Mmh. Et je pense que nous avons une responsabilité euh, dans l'utilisation de ces connaissances. Hein. Mmh. Quand euh, euh, un ouvrier construit... Euh, euh, un vélo, euh, bah, s'il y a une malfaçon euh, oui, et que oui, quelqu'un qui grandit le volant, ouais. tombe, euh, il va avoir une responsabilité. Bah, nous, c'est pareil. Mais il y peut-être parce que la science, euh, certaines non. découvertes scientifiques ont abouti par exemple à une bombe d'hydrogène. Non, ont été détournées. Ouais. Détourné, mais il y en a beaucoup. De leur, de leur, on a peur de, de la de leur... génétique, des avancements de la génétique. Oui, d'un autre côté, les avancements de la génétique oui. permettent oui, euh, à des, sais, des millions d'êtres humains de, de survivre dans des conditions... très Mais peut-être qu'il y a une déserties. réaction instinctive de, de, de beaucoup de gens de, de, de se méfier. C'est bien d'avoir des limites, non c est, c est... Oui, je pense qu'on est euh, toujours... Euh, c'est pas la méfiance de la science, c'est la méfiance des hommes qui, euh, oui, qui contrôlent du pouvoir. Ça, justement, euh... je, je, je pense que nous abordons une question extrêmement importante, puisque nous avons abordé les questions d'éthique. Hein, c'est euh, euh, évident qu'on doit... Euh, réfléchir aux questions d'éthique, non seulement au niveau du groupe social, mmh. hein, par exemple, euh, je dirais le Chili, la France, mmh. ou mmh. la oui. relation france mais ce n'est pas suffisant. Mmh. Hein, nous devons euh, essayer de réfléchir à une éthique qui dépasse ses frontières et qui est, euh, je dirais, au niveau planétaire. Bon. Une éthique universelle Mais oui, mais c'est un problème qui n'est pas suffisamment posé mmh. et qui est une redoutable difficulté. Mmh. Hein, vous voyez, bah, tout de suite. Euh, que, que cet aspect-là, euh, qui d'ailleurs a, a été pointé par, euh, par Ricoeur très tôt, puisque euh, il parle de soi-même comme un autre. Bon, il distingue d'ailleurs euh, le soi, euh, le proche mmh. et euh, ce qu'il appelle le prochain. Mmh. Bon, ça peut être une signification un peu théologique. Moi, mmh. je le prends. En euh, bon <rire> matérialiste. <rire> okay. et, et non, mais pour souligner un aspect qui est extrêmement important euh, de nos relations entre êtres humains, c'est-à-dire que euh, je ne vais pas vous infliger, vous qui êtes en face de moi, euh, des, des troubles ou, ou des, des actions qui vont euh, vous faire souffrir juste en face de que moi. <laughs> en cours de la Par contre. Ouais. Euh, si ça se passe à une certaine distance, si ça se passe soin de soi, il va, même si on a ouais. la, la télévision qui nous en parle, ouais. finalement, euh, on l'accepte plus facilement. Donc je pense que c'est un vrai problème. Vous parlez que l'art la pourrait être la raison communicative Une force de réconciliation. De communication universelle. Ouais. Oui. Qui remplacerait la religion, peut-être. Hein? Oui, eh, euh, oui. J'ai euh, senti ça quand j'ai lu ça. <laughs> euh, je pense que. Euh, cette, cette idée de, 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 de réconciliation universelle, si vous voulez, est une utopie euh, euh, qui a été évoquée euh, tant par les socialistes que, que par les, les grandes religions qui se veulent tout être ouais. universel et, et ouais. apporter la paix, alors que souvent, malheureusement, elles apportent des ouais. conflits. Ouais, enfin, il suffit de voir en Irlande, il suffit de ouais, voir ouais. au Bangladesh, ouais. enfin en, en Inde, ouais. en, euh, ouais. et sans parler de de, de, de l'Irak actuellement et des, des, tous les problèmes qui s'y si, euh, si manifestent, ou euh, le Proche-Orient encore, encore plus. Donc euh, il est évident que dans, dans des situations de ce genre, euh, il va falloir trouver des, des moyens, de, je dirais peut-être, d'atténuer de, euh, euh, des différences culturelles qui entraînent nationalisme et appartenance à un groupe beaucoup trop mmh. euh, fermé, restreint et, et en même temps penser, euh, penser humain, hein, mmh. penser euh, l'espèce humaine. Nous sommes tous mmh. des hommes parce que là encore, mmh. le neurobiologiste parle, nous avons des cerveaux mmh. qui sont construits sur, sur des, des bases qui sont très communes. La même matière. Bah, C'est le génome humain. Mmh. Hein? C'est la même matière. Bah, oui. Et, et avec des petite différence, mais, mais, mais quand même, c'est notre, notre cerveau. Et alors, ce que euh, je pense, là, il va falloir essayer de faire en sorte que ce qui est plus universel l'emporte dans notre organisation cérébrale et dans nos dispositions éthiques, l'emporte sur ce qui est plus particulier. Vous et l'art, mmh. puisque c'est ça que vous voulez ouais. dire, je pense que l'art peut... Euh, nous apporter euh, euh, cette capacité. J'ai pas donc, dit donc, que, que l'art allait répondre à non tout. Mais donc la beauté est plus importante que la vérité. Vous pourriez écrire un livre l'homme de beauté. Hein? Oui, je n'ai pas dit que c'était plus important que que la vérité. Ça, je pense qu'en tant que scientifique, pour moi. Et euh, puis pourtant la vérité, euh, que la, que la beauté. La vérité est essentielle, la recherche de la vérité. Hein? Mais comme euh, ça a été souligné par euh, Herbert Simon et par euh, d'autres scientifiques comme poincaré, il peut y avoir une certaine beauté dans la vérité. ah, ça c'est vrai. Hein? Euh, mais... l'équation qui va résoudre élégamment euh, un mmh. nombre important de problèmes avec euh, le minimal, le non minimal d'éléments et, et qui va donc euh, avoir ce principe en quelque sorte cette qualité de parcimonie, mmh. hein, expliquer beaucoup à partir de peu, mmh. mais évidemment, après un, un choix euh, adéquat et une réflexion adéquate, je pense qu'on tient des éléments de, de, de beauté et d'esthétique. Je vais à la beauté, c'est très important. Euh, je, suis, je, suis, je, je suis belle au mortel, disait, comme un rêve de pierre, disait un poème de Baudelaire. Oui. Raison et plaisir. Je vais vous lire ce qu'a écrit une écrivaine française. Oui. Je pense que c'est une romancière, je ne connais pas, mais elle a dit ces dernières années, dit l'écrivaine. J'ai rencontré des descriptions à la fois purement physiques et philosophiques, mon théorique de la manière dont le cerveau assemble l'esprit. Elles se retrouvent dans les travaux de Jean-Pierre Changeux. C'est à vous qu'elle qu se réfère. Quand il décrit les rapports entre les atomes, les dendrites, la perception, la mémoire, les concepts et le monde hors du cerveau, je crois lire l'inscription de ce que j'ai toujours pressenti sans pouvoir le décrire. C'est une romancière qui a écrit ouais, ça. C'est très sympathique. Ça. Il écrit sur le monde. Euh, alors, je voudrais par parler du plaisir esthétique. La, la, oui. la première question, c'est, vous, vous la posez vous-même, est-ce que le plaisir esthétique, on peut l'expliquer euh, du point de vue neuronal, neurobiologique Vous savez, euh, je n'aime pas l'explication. Ouais. On peut le je, je pense que est -ce, comprendre. Ouais. Est-ce est qu'on peut établir un programme de recherche qui nous permet de progresser plus dans humble. la connaissance ouais, C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est comme ça que je m'exprimerai Je ouais. dis oui. Oui, oui. Il est évident qu'il euh, y a des travaux qui sont en cours dans ce domaine. J'ai même euh, rassemblé ces, ces travaux en cours dans euh, deux cours euh, au Collège de France euh, sur la neuroesthétique. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai écrit aussi, bon, raison et plaisir. Là, c'était, il euh, y a quelques années, euh, tout à fait embryonnaire. C'était très mm -hmm. spéculatif. Actuellement, il y a des travaux en cours. Il hein, y a des travaux qui euh, se font lorsque... Euh, un, un sujet euh, contemple une œuvre et euh, dans cette euh, contemplation va euh, euh, activer telle ou telle euh, aire cérébrale, mmh. par exemple reconnaître un visage mmh. et en apprécier les qualités esthétiques et on peut essayer de voir quels sont les corrélats, j'emploie mmh. le terme à oui. ce stade parce que justement c'est encore très superficiel, mmh. mais on peut aborder les corrélats neuronaux mmh. qui interviennent dans la perception d'un visage, d'une œuvre d'art. Je vais vous montrer un exemple. J'ai apporté un petit tableau. C'est pas peut-être le mieux. Je sais que vous aimez beaucoup l'art du XVIIe siècle. Absolument. Pourquoi la peinture XVIIe siècle Vous collectionnez Parce qu'elle est très humaniste. Hein, humaniste Ah oui. L'homme est au centre. Absolument. Bien entendu. C'est le grand genre, c'est euh, l'homme et ses faits et gestes mmh. dans l'histoire, dans la mythologie, dans la religion et, et dans les faits contemporains. Mmh. Euh, Évidemment, c'est le roi à l'époque mmh. euh, et c'est fait des gestes. Mmh. Mais euh, je pense qu'il est très important dans cette peinture, c'est cette volonté à la fois de décrire, euh, de peindre l'homme et mmh. ses émotions, mmh. hein, et aussi de, de raconter euh, en quelque sorte une histoire, de, euh, de, de faire en sorte que par la composition des figures, des traits mmh. euh, du visage, mmh. euh, des. Mmh. Du, euh, paysage euh, mmh. intégré comme chez Poussin et, mmh. et, et de la composition, on signifie quelque chose. Regarde. Quel est votre peintre favori de ce bon, Poussin. Beaucoup. Vous, vous avez une émotion esthétique. Euh, à pleurer <laughs> aux larmes. <laughs> <laughs> j'aime beaucoup la tour. Ah, euh, la tour, c'est magnifique. Oui, j'aime euh, énormément. On va, euh, on va montrer hein, le, le, une peinture de la tour. C'est une que j'ai trouvée. Je m'excuse, c'est peut-être pas la, votre favorite, mais alors, je regarde ce tableau, c'est un beau tableau, ce visage de cette belle fille. Il y a euh, oui. la langue ici, dans sa bouche, sur le bout de la langue. Euh, bon, je regarde ça, spectateur de là, oui. et j'ai une émotion. Oui. Alors, je veux que le neurobiologue me l'explique. Mais non, dis alors, comment euh, se fait Je ne vais pas vous donner une explication, encore une fois, définitive de ce qui peut se produire dans votre cerveau. D'abord, parce que ça peut varier d'un individu à l'autre. Mais il y a d'abord les mouvements des yeux. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire que vous explorez euh, la surface du tableau. Euh, D'ailleurs, je vois vos yeux qui se déplacent et qui mm -hmm. bougent. <laughs> Pas spécialement pour regarder ce tableau, mais euh, si vous regardiez le tableau, euh, je le verrais, je les verrai, euh, en fait se ah, promener. Oh, et, bon. Donc il y a, euh, si vous voulez, à la fois l'ensemble et le détail. C'est-à-dire qu'il y a une exploration du tableau. Je pense que euh, beaucoup pensent que l'œuvre d'art est statique, ce n'est pas vrai. Lorsqu'on contemple un tableau, comme un tableau de Latou, un tableau de Poussin, il y a une dynamique. Hein. Baudelaire l'a dit, hein, je, comme, comme critique d'art. Je et les mélodies, que... justement par ça, parce que c'était les... Je dirais pour cette une mélodie Le... du les regard. Les... Ah, C'est bon ah. ça. Une mélodie euh, du qui, regard. Qui, qui vous permet euh, d'aller de, 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 euh, d'un point, d'un centre d'intérêt à l'autre et de, de passer du particulier au global. Mmh. Et, et euh, donc euh, ces signaux sont capturés par la rétine. Mmh. Hein, C'est des euh, radiations lumineuses qui sont réfléchies par... Euh, mmh. Par le tableau, euh, qui entre dans l'œil, dans la mesure où il se trouve euh, positionné par justement ces mmh. mouvements des yeux face au, ta au tableau, hein, ou à telle partie mmh. du tableau, et, et ensuite, via le nerf optique, on, on arrive euh, euh, au relais, puis, euh, que appelle le corps genouillatéra, puis euh, aux aires visuels, primaires euh, et secondaires, et là, il y a. Euh, une analyse de la forme, de la couleur, du mouvement. C'est euh, Mirzeki qui a montré ça. Et euh, on remonte encore. Euh, et il va y avoir une analyse, une dissection, en mmh. quelque sorte, par nos neurones, par exemple des visages. Mmh. Euh, certains euh, neurones que nous avons dans le cortex temporal vont euh, euh, réagir euh, au visage, mmh. euh, aux mains. Euh, certains. Euh, 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 aux objets techniques, d'autres. Mais, mais là, c'est un problème très intéressant, c'est que c'est ce qu'il y, y a, une, une beauté objective. Une Alors, beauté. Attendez, c -dire que ça, je vais répondre à ça tout de suite. Ouais. Vous vous remontez donc dans cette analyse et ouais. vous arrivez euh, aux parties antérieures de notre cerveau qu'on appelle le cortex frontal, où se produit une synthèse mentale dans l'espace conscient, puisque l'espace conscient mobilise essentiellement. Euh, et pas, mais pas uniquement les, mmh. les neurones du cortex sont là donc il y a une synthèse mentale qui va se faire l'inconscient n'existe pas et dans cette synthèse mentale il va y avoir un recrutement des mémoires non conscientes uh -huh. l'inconscient non et oui je préfère le non conscient parce qu'inconscient c'est trop c'est Freud <laughs> <c 'est, rire> Oui, c'est trop marqué ah oui. idéologiquement hein? je dirais non conscient mmh. et dans ces mémoires non conscientes il y a évidemment euh, aussi des mémoires émotionnelles mmh. hein, donc euh, il va y avoir à mmh. la fois recrutement, disons, du cortex frontal et mise en correspondance du cortex frontal cognitif et euh, du système des émotions, mmh. euh, le système limbique. Et c'est pour cette raison que j'appelle euh, cette mise en harmonie, mmh. en quelque sorte, entre euh, frontal et limbique, euh, raison et plaisir. Mmh. Euh, mmh. Cette, cette mise en cor correspondance... Euh, un petit peu naïve et simpliste, mais qui est oui. déjà une première étape, hein? euh, pourrait constituer un des traits caractéristiques du, euh, de la perception esthétique, nous de, de, disons, du, du beau. Alors à la beauté objective. Qu parce qu'il si y, y a beaucoup de cultures, beaucoup de personnes. Quelle est la beauté Pourquoi euh, nous nous émouvons de, devant un cadre de la tour Mais il y a, a peut-être quelqu'un qui... Il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord... Oui. Euh, euh, L'aspect, disons, de mimesis, c'est-à-dire la copie du réel. Hein, mmh. Dans ce tableau, il y a euh, un visage et un visage humain mmh. reconnaissable. Hein, mmh. Il n'y a pas que ça, mais mmh. c'est un élément. Il oui. hein. euh, y a aussi, euh, je dirais, la singularité de l'éclairage. Mmh. Euh, donc il y a un aspect de nouveauté hein, qui ne se trouve pas euh, mmh. dans la nature, etc. Et puis, il y a euh, un autre aspect qui, pour moi, est tout à fait central, mmh. et je dirais euh, présente une certaine forme d'universalité, même si euh, certains critiques contemporains peuvent mmh. le nier, le rejeter. Mmh. Euh, à côté de l'originalité de la singularité, hein, mmh. euh, il y a ce que les auteurs de la Renaissance ont appelé le consensus partium, c'est-à-dire. Euh, l'accord, ouais. le terme est intéressant, entre les parties et le tout. Uh -huh. hein, C'est-à-dire uh -huh. Il y a une mise en correspondance uh -huh. euh, entre euh, les divers éléments qui composent. Il y a la notion de composition. Et uh -huh. si vous prenez une œuvre très abstraite, si vous prenez un Kandinsky ou, ou euh, un Jackson Pollock, uh -huh. il y a composition. Uh -huh. Ce n'est pas le désordre. Mmh. Euh, ou si c'est un désordre, à ce moment-là, il est vraiment intentionnel mmh. et mmh. conçu, je dirais, programmé, mmh. composé mmh. dans mmh. son désordre. Euh, et cette, cette notion de composition, euh, je dirais, d'harmonie, mmh. vous l'avez évidente dans le cas de la musique. Mmh. Hein mmh. vous, oui. vous avez des dispositions euh, euh, qui sont très largement innées à... Euh, cette, aux harmonies naturelles hein, qui mmh. sont elles-mêmes euh, d'origine physique. Mmh. Donc, euh, on peut concevoir qu'il y a aussi des, des principes de composition entre les éléments euh, visuels d'un tableau, qui soit dans les couleurs comme dans mmh. les formes, euh, qui est euh, une certaine universalité. C'est une hypothèse. C'est hein, une thèse. Je Et euh, je pense qu'à cet égard, euh, on peut retrouver cette euh, cette euh, harmonie, euh, aussi bien euh, dans euh, un tanka tibétain que mmh. euh, dans mmh. une, euh, un bronze du mmh. Bénin hein, ou euh, mmh. une, une sculpture de Rodin. Mmh. Hein, ce ne sera pas exactement euh, les mêmes formes d'expression, mais vous allez retrouver euh, ces, ces rythmes. Vous voyez le, le rime. La rime et le rythme. À et, la et fin, à donc, la... si vous voulez, il y a cette espèce de, 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 de sens poétique. Ouais. Hein, vous, vous, oui. vous avez commencé par un... un, un poème de Nerval. Un, un poème de Nerval. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans la poésie qui fait d'elle une œuvre d'art hum. Eh bien, justement, il y, a, il, y a, il, y a, il y a ces rythmes, il y a ces sonorités, il y a ces images qui apparaissent dans, dans notre hum. espace conscient. Et je pense qu'il y a des points communs avec... Euh, euh, évidemment le, la contemplation d'un tableau c'est-à-dire que euh, l'œuvre euh, d'art de type poétique euh, c'est les sons qui vont euh, faire apparaître des images euh, faire germer des images dans notre mmh. espace conscient alors qu'un tableau euh, va être peut-être aussi parfois plus prégnant en ce sens mmh. que ce sont des, des c'est mmh. notre sens visuel qui mmh qui Va évidemment accéder à cette place et va presque nous imposer ses formes. Euh, je, mais dans la mesure où il y a une certaine capacité d'interprétation individuelle dans l'œuvre d'art, en dépit de cette universalité, je dirais qu'il y a un pouvoir de rêve, un pouvoir de susciter l'imaginaire, euh, une polysémie de, de l'œuvre d'art qui euh, va varier d'un individu à l'autre. Il va constituer aussi un élément très important. Comme comme l'écoute de, de la poésie, il y a un élément poétique dans, dans, dans l'œuvre peinte euh, qui est essentiel. Est... bon vous écoutez, quelle est la musique que vous aimez le plus Le baroque, c'est la musique. Que vous aimez bon, j'aime bien la musique, j'aime bien aussi la musique contemporaine. Euh, oui. Certaines formes de boulesse sont intéressantes. Vous, moi, vous, vous écoutez boulesse, oui. et vous savez déjà ce qui se passe à votre niveau de cerveau. Vous ne perdez pas un peu le plaisir esthétique, le mystère, euh, la... la, la, la... Ben, – Chez Boulez, il y a évidemment toute une éducation qui est très importante. – Oui, je sais, mais… On... – Mais euh, justement, il y a un côté très, parfois très inattendu, très mystérieux, très ciselé dans une œuvre de Boulez. J'aime aussi beaucoup Olivier Messiaen et son œuvre d'orgue. Ouais. – euh, Et même si vous savez tous les processus chimiques, neuronales, tout ça, vous ne perdez pas l'innocence dans la perception de l'art non, je ne vois pas pourquoi je hein. perdrais quoi que ce soit. <rire> <rire> Puisque, justement, dans la, dans la perception de l'art, <laughs> il y a cette notion de nouveauté, d'innovation et, 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 et d'inventivité, en quelque sorte, qui va avec euh, euh, le, 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 ce, ce pouvoir de rêve, mmh. en quelque sorte, euh, que l'œuvre d'art nous apporte. C'est-à-dire de susciter l'imaginaire dans notre cerveau et cette activité spontanée que nous avons. Euh, avec euh, évidemment ces varia cette variation. Ces... Mmh. Euh, au contraire, je trouve que c'est très intéressant de, euh, de se dire Ah, aujourd'hui, je, je, je vois ce tableau de telle manière. Demain, je le verrai peut-être autrement. Et c'est ça qui est intéressant dans l'œuvre d'art, mmh. avec son côté à la fois universel et extraordinairement personnel. Mmh. Hein. C'est-à-dire que chaque, chaque spectateur mmh. est une personne, mmh. dans le sens euh, où Ricoeur emploie ce terme, avec. Euh, euh, tout, tout, non seulement ses gènes, non seulement son expérience, euh, non ce seulement neurone. <laughs> alors, bah, tout, tout ça c'est dans les neurones, bien tout sûr. Tout, neurones. Ouais, non mais tout c'est dans les neurones, mais c'est pas parce que tout est dans les neurones mmh. que est, tout est résolu. Non, euh, je sais. J'ai compris. compris. Et, et que cette personne peut justement être extraordinairement singulière, unique, oui. et chaque personne humaine est unique, mmh. qui est une personne qui est à la fois euh, éminemment euh, sensible euh, et euh, aussi, je dirais, de ce fait, euh, si elle arrive à, à comprendre, euh, est aussi responsable. Monsieur Changeux, je vous remercie beaucoup de cette conversation pour une nouvelle beauté au Chili. Il y a beaucoup de thèmes qui sont restés pour une prochaine conversation, le rapport entre euh, neurobiologie, mathématiques, etc. Mais on invite euh, nos spectateurs à chercher vos livres et j'espère... Euh, que, que vous, vous iriez au Chili, vous irez au Chili bientôt. Oui, j'espère aussi. Et merci pour bienvenue. Toute votre, euh, toutes vos questions qui sont évidemment très intéressantes. Et j'espère que le public chilien s'intéressera aux neurosciences. Oui, absolument. C'est le but de cet entretien. Absolument. Merci. En souvenir de Varela. Okay. Absolument.